Mesdames et messieurs, en direct du salon du lit, j'étais avec mon bon chum. Émile. T'es venu ici, c'est ta mère qui te force ou t'es là pour toi? Non, c'est ma tante et ma grand-mère. Ok, t'es forcé par deux personnes de la famille. Ouais. C'est une prise d'otage, mon Émile. Ouais. Cligne des yeux, c'était correct, bro. Oh! Oh! Y'a fugueuse! Y'a fugueuse, bro! Son père va être content. Je l'ai trouvé! Être au salon du livre, finalement, man, ça va mieux, ses affaires. C'est quoi un livre cette année, tu dirais, que tu recommanderais, là, ta découverte de l'année? Ben là, en ce moment, je suis comme dans un genre plus comme romantique. Elle fait signe que tu lis ses livres, elle veut plugger. Évidemment, je suis en train de lire L'éveil des érables de Marie-Christine. L'éveil des érables? C'est une histoire d'amour. C'est vrai, en plus, ça a l'air full placé, mais ouais. J'ai vendu tous ses livres, fait que c'est vrai que... Kevin Raphaël. 6 ans à Gonly, baby! Non, monsieur, Six Rings. Oh, Martin Mallette, on est doux. Yo, parle de ton livre, parle de ton livre. Raconte ton livre. Troisième référendum, un indépendantiste rencontre la femme qui va peut-être donner envie de renoncer à sa propre liberté. Oh! Ok, c'est genre un gars, il tombe en amour puis il renonce au Québec? Non, il fait les deux. Avec Barbara, la boss d'Agonly. Barbara, what's up? Ça va bien. Barbara, tu dirais, c'est quoi le top 5 des livres les plus dope que t'as lu? Grande fan de Sénécal. Je suis TikTok? Une main moite. Il est pas sur TikTok, je pense pas. Je connais pas. Oh non, man. Oh non, man. Alors, fugué. Alors, fugué, man, c'est pas bon, ça.